Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du vendredi, votre JT de la rédaction de Vélizy TV qui retrace toute l'actualité de la semaine. Dans cette édition, nous allons parler du printemps des seniors, de la réunion publique Louvois, de la commémoration du 19 mars et enfin du festival Immersion. Sans plus attendre, nous allons commencer avec le printemps des seniors qui a été organisé le 15 mars, un événement au cours duquel nos aînés ont pu chanter, danser et surtout s'amuser. Images. Les aînés de Vélizy ont été à l'honneur le 15 mars dernier lors du printemps des seniors à l'Ariane. Toute la journée, basée sur le thème du cinéma, leur a été intégralement consacrée. L'occasion de croiser quelques Charlie Chaplin ou Zorro revisités, tout en se laissant porter par les mélodies entêtantes et mélancoliques de l'artiste emblématique que fut Édith Piaf. La vie t'arrache à moi, que tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. La chanson et le 7e art n'ont pas été les seules animations prévues au programme. Les seniors participants ont également pu profiter de la présentation des multiples activités et loisirs qui leur sont dédiés dans la commune, tels que l'accès à la médiathèque ou à l'onde, ou encore des ateliers théâtre, danse ou peinture. Nous avons un public très très varié, et notamment les seniors qui apprécient tous les services que nous proposons, les livres en gros caractères, les textes lus, et maintenant les seniors se mettent au numérique. Donc c'est une activité, une part très importante, et avec plein de possibilités, notamment avec la plateforme numérique, se familiariser avec sa tablette, se perfectionner, évoluer, et vraiment... C'est dans l'ère du temps, on est dans l'ère du numérique à Vélizy. Je représente le théâtre de l'Onde, donc voilà, je suis là pour présenter aux seniors les spectacles, la programmation, toutes les actions qu'on mène au sein du théâtre de l'Onde pour valoriser un petit peu les propositions artistiques et puis être là pour voilà, parler avec eux des projets. Alors l'atelier théâtre pour les seniors, c'est un atelier qui existe depuis 7 ou 8 ans maintenant. Il réunit donc une quinzaine de seniors toutes les semaines au Centre Maurice Ravel. Et le but, bien sûr, c'est de faire du théâtre et de monter un spectacle. Alors, à travers le théâtre, ça ouvre sur plein d'horizons. Bien sûr, les textes de théâtre, l'improvisation, mais il y a aussi le côté social qui est très important, puisque tous ces gens se réunissent autour d'un projet commun. Ça les incite aussi à se voir en dehors de l'atelier pour répéter. On fait des petites fêtes aussi. Ça crée énormément de liens sociaux. La danse en ligne, eh bien, on la danse seule, on n'a pas à avoir de partenaire. Voilà. Et quand on aime danser, eh bien, quelquefois on n'a pas de partenaire, donc là on peut venir. Pour chaque musique, il y a une chorégraphie différente. Ça permet de travailler la coordination, l'orientation. Aujourd'hui, on va présenter des danses country.
mais on ne danse pas seulement de la country, on danse en ligne, on peut danser la tarentelle, on peut danser du charleston, du disco. On fait toutes sortes de choses, surtout les tableaux. Des tableaux comme ici, faits avec du tissu, sur du carton mousse, et on reproduit même des tableaux de peintres, tels que le peintre Delaunay là-bas. On fait aussi du cartonnage, on dépanne en couture, on fait des abat-jour, des pieds de lampe, on fait toutes sortes de choses. Ça fait plus de 8 ans, je crois, que je dois animer cet atelier. Et il y a toujours beaucoup de monde, et les gens sont toujours enthousiastes. Et il y a une excellente ambiance. De nombreux ateliers culturels et récréatifs donc, mais pas uniquement, comme notamment avec cette association qui organise des rencontres intergénérationnelles. C'est des seniors qui interviennent sur la base du volontariat dans les accueils de loisirs pour accompagner les enfants et partager des moments de vie avec eux tout au long de la journée au sein de nos structures. Donc voilà, il y a un mélange entre les seniors, les enfants et puis les animateurs. Ça fait 3 générations qui évoluent ensemble. La journée du printemps des seniors s'est clôturée dans la joie et la bonne humeur, avec quelques petits pas de danse exécutés seuls ou en couple. Pas de doute, les aînés de Vélizy en ont encore sous le pied. La 3e édition de la réunion publique Louvois s'est déroulée lundi soir. Beaucoup de Vélisiens ont répondu présent pour se tenir informés sur l'avancement des travaux qui ont débuté cette semaine. Reportage. La 3e réunion publique Louvois s'est tenue le 16 mars dernier à l'Ariane. Devant une assemblée d'un peu moins de 300 habitants, la municipalité a présenté la phase 2 de ce grand chantier de réhabilitation du centre commercial Louvois, qui s'étendra jusqu'en 2018. Par le biais de visuels, les Vélizéens concernés ont ainsi été informés des travaux de déconstruction et de construction qui s'amorcent au niveau des silos 1 et 2. Ils ont également pu apprendre quel serait le plan de circulation provisoire et comment s'opérerait le stationnement. Et ont enfin pu découvrir des images du projet définitif qui garde pour mot d'ordre un aménagement arboré qui laisse entrer la forêt dans la ville. Maintenant, ça devient un peu plus concret, puisqu'en fait, on commence à avoir des planches avec les vrais paysages, les vraies architectures. On montre chaque jour et à chaque réunion que finalement, on fait ce que l'on a dit. Si on arrive à faire le quartier exemplaire qu'on a promis et dont on a la volonté de pousser, de mener, la population continuera à nous accompagner. Rien n'est toutefois figé dans la pierre. La municipalité souhaite se montrer à l'écoute et flexible. Ces réunions publiques sont un lieu d'échange et de discussion où tout un chacun peut s'exprimer, questionner et même proposer. Quand on regarde aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des questions constructives. À chaque réunion, on s'aperçoit qu'il y a des propositions intéressantes qui sont faites et qu'on intègre à chaque fois, dès qu'on le peut. Et les gens repartent plutôt satisfaits de ce qui a été proposé. En effet, à la sortie de la réunion, les habitants semblaient rassurés des renseignements délivrés et d'avoir pu participer au dialogue. Au niveau de l'information, très complète. On sent que le sujet est maîtrisé sur les différents points par rapport aux questions qui sont posées. Ouais. Le projet semble très bien. Après, on verra avec la mise en application, éventuellement les contraintes qu'on pourra avoir, le temps des travaux, mais dans l'ensemble, très bien. Je n'avais pas regardé vraiment le projet, et bon, comme j'habite vraiment à Louvois, ça fait 5 ans que j'y habite maintenant, enfin 4 ans, et bon, j'étais un peu inquiet de voir comment ça allait se passer, bon, ça me rassure plus ou moins. Bon, j'étais un peu embêté pour les parkings, mais bon, apparemment, si on récupère 80 places de parking... Bon, voilà. À l'heure actuelle, c'est un projet qui commence à se figer, et puis après, on va voir, les questions vont se poser au fur et à mesure. Enfin, ce projet est assez séduisant. C'était très bien, moi, pour les constructions, qu'ils ont diminué le logement et tout. Il y a plein de trucs, c'était très bien, moi, je trouve. Il y a des gens qui se plaignent toujours, il y a des trucs qui ne savent pas aller. Pour moi, ça va, mais j'habite pas ici dans le coin, en tout cas. J'ai bien aimé. Puis bon, tout a l'air de bien se présenter. Alors, vivement 2018, hein. Pour l'heure, pour les habitants de Louvois qui n'auraient pas pu se déplacer ou pour tout autre Vélizéen intéressé, il est désormais possible de retrouver l'intégralité du projet à la mairie ou une exposition lui consacrée. Jeudi 19 mars, la commémoration pour les victimes de la guerre d'Algérie s'est tenue au cimetière de Vélizy. Une journée du souvenir qui laisse encore des traces dans les cœurs et dans les esprits de ceux qui l'ont vécu. L'adjoint au maire Pierre Testu et l'ancien combattant André Debizet nous en parlent. Il faut maintenir cette mémoire, effectivement. Il y a eu tellement de tragédies en Algérie, je pense que
il est bon de rappeler ces événements et de rappeler ces liens qu'il y avait entre la France et l'Algérie. Donc voilà, c'est important de maintenir, de pérenniser ces commémorations. Inévitablement, on n'est pas nombreux, c'est ce que je m'aperçois, de vous avoir malheureusement. On disparaît les uns derrière les autres et il n'y a pas tellement de suivi. C'est le plus grand regret par le fait. Hein. Et je ne sais pas jusqu'à quel point on est pris en compte, d'autant plus que je m'aperçois, j'ai lu ça sur le point, que le peu d'argent que reçoivent en tant que compensation les anciens d'Algérie qui ont leur carte d'ancien combattant risque d'être supprimé prochainement. Alors si vous me demandez de parler de la guerre d'Algérie, je n'ai pas grand-chose de beau. Donc peu de considération malheureusement, malgré ce genre de journée. Malgré, tout à fait. Pour la troisième année, le festival Immersion prendra ses quartiers à Londres du 23 au 29 mars. Un festival ludique, insolite et surtout aventureux dont nous parle Ludovic Moreau. Le Festival Immersion fête sa troisième édition. Son but est de réunir des spectacles qui font vivre une véritable expérience aux spectateurs, pour tous les âges, ludique, unique. Et le but est qu'il n'y ait plus aucune frontière entre le spectateur et les artistes. Le festival débute avec une soirée de lancement au Café de Londres, en partenariat avec l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles. Il nous concocte une soirée à base de concours photo, dans une ambiance musicale festive. Premier spectacle du Festival Immersion, Days of Nothing, de Mathieu Roy, sur un texte de Fabrice Melchior. C'est l'histoire d'un auteur en résidence dans une banlieue parisienne, qui rencontre deux élèves au sein de leur collège, et cette rencontre va bouleverser complètement sa vie et son projet d'écriture. Le metteur en scène nous plonge dans une immersion totale avec un dispositif sonore captivant où le public en fait est dans la tête des personnages qui sont sur le plateau, dans leurs pensées, dans leurs sentiments, et tout ça pour nous faire vivre de l'intérieur l'école républicaine d'aujourd'hui. Deuxième spectacle du Festival Immersion, Exquise d'Annabelle Monory, un spectacle qui vous invite au restaurant avec deux danseuses serveuses et un chef qui ont préparé spécialement pour vous un menu accordé à des vins où la danse et la gastronomie se mêlent merveilleusement. Troisième rendez-vous, Hicham Berada avec Présage. Hicham Berada est un artiste qui est accueilli par le micro-ondes à partir du 10 avril. En amont de cette exposition, il nous fait découvrir son univers en nous accueillant dans son atelier et il s'accompagne pour cela d'un musicien au cours de deux performances. Quatrième spectacle du festival, Attraction plurielle de Kitsou Dubois. Cette chorégraphe de l'apesanteur présente un duo pour deux danseuses circassiennes issues de l'Académie Fratellini. Elle nous plonge dans une atmosphère en apesanteur où le public sent l'aérodynamisme, la légèreté des corps en mouvement. C'est une véritable balade spatio-temporelle et c'était donc une évidence que de l'accueillir à Vélizy-Villacoublay, berceau de l'aviation. Cinquième et dernier rendez-vous du festival avec le spectacle Teatro da Mangiare de la compagnie Teatro dell'Arieté. Cette compagnie italienne nous avait régalé l'année dernière avec son spectacle. Cette fois, ils nous invitent à leur banquet de noces. À cette occasion, ils nous font partager leur histoire d'amour. Leur amour du théâtre et leur amour des produits qu'ils vous servent et qui viennent directement de leur propre ferme en Sicile. Enfin, avant de nous quitter, sachez que se déroulera ce week-end le 28e festival du court-métrage à Londres. Et grand rendez-vous citoyen, tous les Vélisiens sont appelés aux urnes dimanche pour élire le binôme paritaire qui composera leurs conseillers départementaux. Un scrutin qui remplace les anciennes élections cantonales. Ce JT est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro.